Live vidéo de Faisons Wascal Ensemble concernant la stratégie de déconfinement de la ville de Wascal. Donc, au cours de cette soirée, je vais vous présenter le plan que nous avons rédigé et transmis à la maire de Wascal ainsi qu'aux citoyens il y a quelques jours. Et nous aurons l'occasion de répondre également à vos questions. Et nous avons la chance d'avoir avec nous Patrick Troisy, qui a été élu maire de Fâche-Thumesnil. Bonsoir Patrick. Bonsoir tout le monde. Alors, donc on va pouvoir échanger avec Patrick sur la façon dont se profile ce déconfinement à la fois sur la ville de Wascal et sur la ville de Fâche. Bon, vous le savez, le président a annoncé ce déconfinement pour le 11 mai, il y a maintenant une dizaine de jours. Cet après-midi, le Premier ministre Édouard Philippe s'est exprimé devant l'Assemblée nationale. Et il s'agit bien d'un déconfinement progressif. Il évoque différents statuts entre les différents départements. Et on le voit aussi qu'en fonction des activités, des secteurs d'activité, ce déconfinement se fera de manière progressive. Bon, une chose est sûre, la première chose que j'ai à dire de ce point de vue-là, c'est que on n'a pas le droit de se louper. Ça, c'est clair et net. De mon point de vue, il faut faire ça de manière ordonnée, de manière méthodique. Et donc, il y a un certain nombre de choses à organiser, à planifier, du matériel à obtenir, à recenser et à distribuer. Et ce sont les valeurs d'entraide et de coopération qui nous permettront de nous en sortir et de nous déconfiner de manière correcte, sans mettre la vie d'un certain nombre de nos concitoyens en danger, et qui nous permettra surtout d'éviter absolument une deuxième vague. Il est là l'enjeu, à vrai dire. Et donc c'est avec cet esprit, et aussi pour répondre à notre mission, à notre vocation d'agir dans l'intérêt général, dans l'intérêt de tous, que le collectif Faisons Wascal Ensemble, dont j'ai l'honneur d'être la tête de liste et le porte-parole, nous avons décidé de mettre au débat une vingtaine de propositions qui sont immédiatement applicables, qui ne nécessitent pas d'engagement budgétaire supplémentaire, et qui, de notre point de vue, permettent d'organiser de façon méthodique et raisonnée, de façon aussi transparente vis-à-vis des citoyens, eh bien ce déconfinement à Wascal. Les propositions donc, que vous pouvez retrouver sur notre site web, sur notre page internet, elles sont à la disposition de tout le monde. En particulier de Madame le maire Stéphanie Ducret. Voilà, les propositions, elles sont là. Nous, ce qu'on veut, c'est susciter du débat. Est-ce que, Madame le maire, est-ce que les Wascaliens et les Wascaliennes surtout sont disponibles et prêts à mettre en œuvre toutes ces propositions? Il s'agira peut-être de les préciser, il s'agira probablement de les enrichir, mais en définitive, l'enjeu, c'est d'être en capacité de les mettre en œuvre. Nos 20 propositions se déclinent en cinq chapitres, parce que nous avons identifié en réalité cinq urgences à traiter rapidement. Bien sûr, il y a la question de l'urgence de la santé et des conditions sanitaires, mais on le voit aussi que cette crise sanitaire se double d'une crise sociale et d'une crise économique. Et donc, il y a une urgence au niveau de la précarité et nous devons, la commune de Wascal doit faire en sorte, avec les moyens dont elle dispose, d'amortir les effets de la crise qui touche beaucoup trop de nos concitoyens. Ensuite, il y a une urgence au niveau de l'entraide. Il faut aider les Wascaliennes et les Wascaliens à rompre l'isolement dans lequel ils sont. On connaît beaucoup les personnes âgées isolées.
Mais il y a aussi des personnes, des mamans souvent isolées, seules avec leurs enfants. Et donc, il y a un certain nombre de choses à mettre en œuvre pour rompre cet isolement. La troisième urgence que nous avons identifiée, c'est une urgence qui concerne la proximité. Et où il s'agit, en définitive, de créer les conditions pour nous permettre à toutes et tous de reprendre une vie commune. Je l'ai dit, la santé, bien sûr, la question sanitaire. Et enfin, pour le moyen terme et le plus long terme, il y a évidemment la question de l'urgence du changement de nos modes de fonctionnement, de notre société, qu'il va falloir mettre à l'ordre du jour, parce qu'on sait que cette crise du coronavirus, elle ne vient pas de nulle part, c'est pas la faute à pas de chance, et que en ça, le saccage écologique opéré par notre système économique la responsabilité de notre système économique est avérée dans le saccage écologique qui a provoqué cette crise du coronavirus. Et donc, il y a lieu de reposer un certain nombre de questions. J'ai envie de dire que le monde d'après, que tout le monde a la bouche, et bien le monde d'après, il commence maintenant. Voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail évidemment des 20 propositions. Moi, j'ai envie, Patrick, de te proposer de nous dire un petit mot sur la situation à Fâches-Thumesnil, et puis ensuite peut-être qu'on discute ensemble, qu'on fasse un focus sur la. Et donc là, pour le coup, rentrer dans le détail, à la fois sur la question sociale, la crise sociale à laquelle il faut répondre, enfin, apporter des réponses urgentes, et puis bien sûr une préoccupation de beaucoup de parents qui est ce qu'il en est de l'école, du collège, des lycées. Voilà, je te laisse la parole pour nous présenter ce qu'il en est à Fâches-Thumesnil. Merci Benoît, j'espère qu'on m'entend bien. Merci à toi pour l'invitation et merci à Valentin pour la régie technique hein, qui fait apparaître les petits bandeaux et qui nous met en relation, c'est important de le dire aussi. Alors, un petit point de contexte, hein, à Fâches-Thumesnil, l'élection s'est déroulée comme pour tout le monde le dimanche 15 mars. Et donc j'étais tête de liste de Fâches-Thumesnil en commun et on l'a emporté au premier tour avec 53% des voix. L'installation du conseil municipal devait se faire le samedi 21 et comme partout en France, les installations des conseils municipaux ont été reportées à une date inconnue. Ce qui nous embête beaucoup, c'est-à-dire que au tout début, on s'était dit ça va être compliqué de prendre la gestion de la ville sur un moment aussi instable et peut-être qu'un changement comme ça d'équipe va amener encore un petit peu plus d'instabilité. Donc, on avait vu les reports comme quelque chose de logique, on ne s'était pas opposé. Et puis finalement, maintenant, on arrive, tu vois, début mai et on est en fin avril, on ne sait pas quand ça va être et on commence un petit peu à ronger notre frein. Non, ça serait plutôt l'inverse. Voilà, il y a quand même 30 143 communes dont l'installation a été reportée, ou en tout cas dont le vote a été acquis au premier tour, quoi, tu vois. Donc, on est dans une situation un petit peu baroque parce que finalement, on a une équipe, nous on a gagné et on n'est pas aux responsabilités. Et en face, les sortants sont les perdants et c'est eux qui continuent à administrer, à gérer la ville. Donc, il faut réussir à trouver un mode de fonctionnement entre eux et nous. Et c'est vraiment pas, c'est pas évident. C'est un petit peu comme s'il y avait deux maires en fait dans la tête des gens. Moi, il y a beaucoup de personnes qui me contactent pour tout un tas de situations sur des sujets très variés et ils me disent alors, monsieur le maire, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous faites pour ça? Et moi, je suis bien obligé de leur expliquer que je ne suis pas encore maire. Je peux amener quelques sujets à l'oreille du maire, lui demander de prêter attention à ça. Notamment, tu vois, je donne un exemple sur les marchés de plein air. Alors, je ne sais pas ce qu'il en est chez vous à Oiscal. Nous, à Fâches-Thumesnil, ils ont été interdits et ils n'ont pas été réautorisés, comme ça s'est fait dans beaucoup de villes, en mettant du barriérage comme il faut, pour qu'un agent ou deux, pour être sûr que la distanciation soit bien respectée. Donc, bon, voilà, tu vois, même si j'amène à tout un tas de sujets, ce n'est pas pour autant qu'ils seront pris en compte. Bon, c'est un petit peu dommage. Donc, du coup,
Le but, dans cette période compliquée, c'est de ne pas confiner justement la politique. Le confinement, c'est pour les gens. Le confinement, ça ne doit pas être pour les idées. Il faut, je pense, continuer à s'intéresser à ce qui se passe dans nos villes, à avoir des regards critiques et à être force de proposition, comme je l'ai fait à Fâche-Thumesnil, puisqu'on a aussi sorti 19 propositions d'action à Fâche-Thumesnil concrètes, qui ne coûtent pas cher, ou qui coûtent même quasi, pour la plupart, qui ne coûtent rien. Et on s'est dit qu'on n'allait pas laisser finalement les gens... Enfin, on sort de 3 mois de campagne nous, qu'on a fait très, très intense, où les gens ont de nouvelles tout le temps, et on ne se voyait pas d'un coup ne plus donner du tout de nouvelles aux gens. Donc on a continué à faire ce rôle en disant, ben, en toute modestie, sans prétention aucune, nous on vous donne 19 propositions. Peut-être elles sont déjà faites, tant mieux. Peut-être pas, alors en ce moment-là, essayez d'y prêter une oreille. Bon, je ne te cache pas qu'on a été un petit peu déçus parce qu'on s'est fait répondre de façon très politicienne. Voilà. Je ne peux pas dire différemment. C'est-à-dire que le maire, toujours en place, Nicolas Mazurier, a repris toutes les propositions quasiment et puis a marqué son avis sur chacune des propositions, mais en utilisant des approximations ou des mensonges qui lui faisaient dire que tout était déjà fait à 90% ou infaisable. Je te donne un exemple. Moi, j'avais marqué pour le futur, parce qu'on a fait, comme toi par catégorie, et à la fin, on a fait pour le futur. Et on avait mis notamment la création d'une épicerie solidaire, sociale et solidaire. Et il me dit, ben, finalement, elle existe déjà depuis 6 ans, donc next. En fait, c'est une épicerie tenue par des bénévoles dans un centre social qui actuellement est fermé. Donc, l'épicerie sociale et solidaire est fermée à ce moment où il y en aurait le plus besoin, t'en parlais tout à l'heure. Donc voilà, tu vois, on n'échappe pas à des raisonnements un petit peu politiciens et de récupération politique et puis de volonté de refaire ce premier tour pour eux qu'ils ont perdu. Et c'est ce qui est un petit peu dommage. Bon, maintenant on est sur une échelle locale et on va pâtir clairement des décisions qui sont prises au national. Par une troupe de personnes inconséquentes qui n'ont rien prévu, qui n'ont rien planifié et qui finalement maintenant vont se défausser sur qui ? Eh bien, à la fois sur les parents, c'est du volontariat, hein, donc vous ne remettez pas vos gosses, c'est votre problème à l'école. Et sur les maires, charge à eux de distribuer les masques, charge à eux de voir comment on peut rouvrir les écoles et dans quelles conditions. Et donc voilà, on va être sur une corde raide où... Finalement, le gouvernement espère sans doute que ceux qui seront vus comme les responsables, si quelque chose tourne mal, ça ne sera pas le gouvernement, mais bon, ça sera les exécutifs locaux, ça sera peut-être les profs, je ne sais pas. Ou alors, on dira aux parents, mais attendez, on vous avait laissé le choix, vous n'avez pas voulu mettre vos gosses, ou vous les avez mis, donc c'est de votre faute. Donc, je pense que ce que tu fais là, sur ce petit live, et ce qu'on essaye de faire, surtout les collectifs de la métropole, plutôt de gauche, voire de gauche, et qui était du type décider pour ou telle ville en commun. C'est sain. Il faut qu'on soit utile et constructif. Il ne faut pas être naïf. Et en même temps, il ne faut pas être tout de suite dans cette posture de polémique. Parce que le temps de la polémique, il viendra plus tard. Voilà. Pour l'instant, continuons de faire de la politique. Ne confinons pas. Notre esprit, moi, personnellement, je fais partie de la France insoumise. Mon esprit d'insoumis, il reste présent quand on me parle des choses et qu'on me dit on doit, il faut, c'est le moment, c'est la crise, il ne faut pas penser différemment. Ben, ça doit nous amener justement à nous dire ben, si on nous dit qu'il ne faut pas faire différemment, c'est peut-être qu'il y a toujours possibilité de faire différemment. Voilà, je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question. Je ne vous ai pas donné non plus d'exemple, mais concrètement, il y en aurait beaucoup. Hein, décréter l'arrêt des coupures d'eau, gaz, électricité sur la commune pendant la période d'état d'urgence sanitaire, c'est important. Alors nous, le maire nous a répondu, M. Proisy ignore sans doute que c'est interdit et que la trêve a été prolongée, mais on sait, toi comme moi, qu'il y a d'autres méthodes pour priver d'eau, de gaz et d'électricité. De mettre un tout petit débit et les gens n'y ont plus accès. Donc voilà,
parfois, faire de la politique, c'est aussi faire du symbole. Et symboliquement, décréter quelque chose, même si on sait que ce n'est pas censé avoir lieu, c'est fort, c'est une prise de position importante. Et je pense que les gens attendent ça. Pour nos aînés, nous, il y a un système de livraison des repas. Le maire est tout content de dire qu'ils ont doublé les capacités de livraison, sauf que le portage du repas, c'est 1,60€ par repas. Et c'est un coût supplémentaire. Alors, les gens qui ont des moyens extraordinaires, ils ne se rendent pas compte qu'1,60€ par repas, c'est énorme dans des budgets de personnes qui sont parfois, souvent, isolées, fragilisées d'une manière ou d'une autre. C'est de la solidarité intergénérationnelle. On en a besoin hein, dans nos villes. Et je terminerai en te disant que alors, je ne connais pas bien la taille, le nombre d'habitants de Wascal. Nous, sur Fâche-du-Ménil, on est à peu près 18 000. Mais ce qui est excellent et positif, et moi, me rend quand même confiant, c'est que la ville, concrètement, c'était devenu un excluant du lien social. On était en ville, on était tous ensemble, on était tous dans notre chez nous, dans notre appartement. Et finalement, je discute avec des gens qui me disent, je reparle avec mon voisin, j'entraîne moi, ma voisine d'à côté, on ne se parlait pas beaucoup, là, je lui amène ses packs d'eau, je fais ce genre de choses, et tout le monde va prendre soin de son voisin. Et ça, je trouve que c'est quelque chose de positif, on revient au fondement même de l'apparition des villes, c'est mon âme d'historien, mais si les êtres humains se sont regroupés au début, c'était bien pour s'entraider, pour moins galérer, pour survivre. Donc, je termine ce que j'avais prévu de te dire sur cette petite note positive en te disant qu'il y a quand même des belles choses qui sont apparues sur cette période de confinement, ce qui doit être très attentif. Oui, tu as raison quand même de terminer sur cette note positive. Oui, on se parle. On redécouvre, il faut l'avouer, hein, on redécouvre aussi nos petits commerces, on redécouvre l'usage du vélo, on sort un peu plus souvent faire des balades avec les enfants ou pas. Donc oui, bien sûr, heureusement qu'il y a des aspects positifs. On passe plus de temps aussi en famille, alors avec aussi des difficultés évidemment, hein. Je vais avant d'enchaîner, j'en profite pour revenir sur un de tes propos, effectivement, la question à la fois de la polémique et de la réponse politicienne. Tu en as parlé, effectivement, le maire sortant à Fâche a eu une attitude politicienne. Bon, j'ai été reçu hein, par Madame Ducré, elle m'a reçu vendredi, bon, je l'en remercie. Hein. Je ne dirais pas qu'elle a eu une attitude politicienne. Très respectueuse, on a discuté dans un cadre républicain. Donc de ce point de vue-là, voilà, elle est dans son rôle. J'ai donc présenté, pas toutes les propositions, j'en avais pas le temps, mais donc celles qui me paraissaient le plus importantes. Et je dois avouer quand même quelques regrets sur... sur ces réponses qui quand même restent assez, assez évasives. Moi, je pense qu'il faut que les choses soient claires vis-à-vis des citoyens. Il faut qu'ils sachent comment ils peuvent obtenir des masques, comment ils peuvent, si ça se fait, comment se faire tester. Il faut qu'ils sachent quelles sont les aides à leur disposition, les aides économiques ou alimentaires qui sont à leur disposition. Et donc, on avait un certain nombre de propositions qui allaient dans ce sens, d'organisation et de clarification. Et donc ça, Madame Ducré m'a répondu, ne vous inquiétez pas. Oui, les personnes en difficulté, on les connaît, elles sont suivies par le CCAS. Mais sauf qu'il y a plein de gens qui là, dans la situation, chômage partiel, boum, moins 20% de salaire en moins, quand le budget était un petit peu ric-rac, moins 20% de salaire en moins, ça c'est clair et net, le budget ne tient plus. Et ces gens-là, ils vont vraiment aller à la banque alimentaire? Mais non, bien sûr que non. Ils vont aller se signaler au CCAS, quelques-uns peut-être, mais il y en a beaucoup par pudeur, par dignité,
ne feront pas, n'iront pas spontanément se présenter et demander de l'aide. Et donc ça, c'est dommage que Madame Dufresne ne soit pas plus proactive sur cette question de venir en aide auprès des gens. Par exemple, moi, j'avais une... Et puis du coup, j'aimerais que tu me répondes sur ce sujet. On avait une idée par rapport à à la cantine. Donc là, ça fait 2 mois que la cantine n'est plus servie. Enfin, je parle de cantine, mais en fait, c'est la restauration à la fois scolaire, mais dans les crèches, et puis dans une certaine mesure dans les foyers de personnes âgées, même si bon, il y en a encore un peu diminué. Enfin, bon, bref. Moi, j'ai posé la question. S'il y a s'il y a des économies qui sont faites sur ce budget-là, ces économies, elles doivent être redistribuées aux Ouascaliennes et aux Ouascaliens. Et de manière progressive, de la même manière que les tarifs de cantine sont progressifs, cette allocation alimentaire, du coup, devrait aussi être progressive. Et là, bon, voilà, Mme Ducret m'a dit oui, non, on ne va pas faire d'économie. C'est possible, hein, mais la démonstration qu'elle m'a faite n'était pas très, très convaincante. Et quand bien même il n'y aurait pas d'économie, moi je pense que elle serait tout à fait dans son rôle de débloquer un budget supplémentaire, exceptionnel pour cette année, justement pour instaurer cette allocation qui serait d'une certaine façon automatique, qui serait indifférenciée, qui ne mettrait pas dans l'embarras les personnes qui sont en difficulté et qui par dignité n'osent pas venir réclamer, hein, parce que bah, en fait c'est ça que ça veut dire, hein, c'est réclamer. Donc non, bah, justement pour éviter ça, une allocation qui se baserait sur les enfants et les tarifs pratiqués progressifs au niveau des cantines. Qu'est-ce qu'il y a comme réponse de ce point de vue-là sur les aides qui peuvent être mises en place par la ville de Fache sur ces voilà sur ces situations familiales de gens qui n'étaient pas dans le dénuement, hein, on imagine un couple, la maman ne travaille pas, le père, excusez-moi, hein, des stéréotypes genrés, la maman qui ne travaille pas, le père qui a un boulot au SMIC et qui se retrouve, allez, au mieux en chômage partiel. Voilà, qu'est-ce que tu en penses, toi, de cette situation? Oui, tu as tout à fait raison. On est sur des personnes qui vont passer au travers des mailles du filet. C'est très compliqué parce que finalement, elles n'avaient pas l'habitude, ces personnes qui se débrouillaient avec leur petit budget. Et puis, tout d'un coup, comme tu le dis, il peut y avoir moins 20% de revenus. Et puis, il peut y avoir quelque chose qui n'était pas prévu par les budgets des familles, qui était de nourrir les gosses le midi. Donc, ton idée de toutes ces économies faites au niveau de la cantine, de la restauration, la ville par repas met une partie. Et en effet, selon le quotient familial de la CAF, tu es à ce moment-là à un barème inférieur ou supérieur. Et donc la ville met plus ou moins d'argent pour compléter quoi, le reste. Donc, en effet, il doit y avoir une partie de l'argent qui n'a pas été dépensée. Après, je sais que la gestion de la crise pour les villes, c'est quelque chose qui va coûter quand même très cher. Donc, je ne sais pas dans quelle, je sais pas te répondre, tu vois, dans quelle mesure ça impacte gravement les finances de la ville. Donc, ces achats, tu vois, imprévus, type les masques, qui sont pas pour rien, hein. Les masques textiles, on est à 4 euros unité, tu vois, donc tu fais une commande de 19 000 pour la ville de Fache, on est quasiment à 90 000 euros. Bon, et après, selon les niveaux d'endettement des villes, ça peut commencer à être problématique, mais je suis d'accord avec toi que s'il y a de l'argent à dépenser et s'il y a peut-être un petit peu plus de déficit à faire, c'est maintenant, tu vois, c'est pas pour aller installer des caméras de vidéosurveillance ou pour faire un projet qui était secondaire pour la ville. S'il y a un petit peu d'argent, ou beaucoup, hein, mais s'il y a de l'argent à dépenser pour éviter cette peur du déclassement, hein, finalement,
de certaines personnes, clairement, il faut le faire maintenant. Le budget de la restauration, il est quand même énorme hein, dans le budget de certaines familles. Ça c'est clair et net. Alors, évidemment, après, la mère de Pascal, qui est sous le coup d'un deuxième tour, hein, elle va pas te dire « Ah oui, vous avez raison, je vais faire ce que vous me dites, et puis merci, et puis bravo. » Leur jeu, c'est tout le temps de dire « On a fait notre maximum. » Nous, à Fâche du Ménil, on a exactement le même schéma. Et pour autant, il y a quand même des gens qui m'appellent, une dame de 87 ans, donc qui normalement doit être dans le fichier grand froid et canicule, et qui me dit « Mais personne n'est passé me voir, personne ne m'a appelé. » Et quand on essaye d'appeler le CCS, ça ne marche pas. Alors moi, je n'incrimine pas du tout les agents. Hein. C'est pas du tout le but. Mais par contre, quand un maire vient me dire « On a fait notre maximum et tout le monde est cerné et tout le monde est contacté sur la ville », là, pareil, il faut continuer d'interroger et voir où est l'attitude un petit peu politicienne et de récup dans tout ça. Le but de la maire de Wascal, ça va être de dire, vous voyez, moi, j'ai tenu la barre pendant la crise, moi, j'ai été aux affaires, moi, j'ai répondu à toutes les solutions, et pendant ce temps-là, les autres n'ont rien fait. Tu verras qu'à un moment, quand la campagne va peut-être démarrer et va se retendre, ils vous incrimineront, vous, en disant, eux, ils n'y étaient pas, hein, quand c'était le moment de la crise au pouvoir, ils ne diront pas que tu as fait des propositions. Peut-être qu'ils vont en reprendre, en changeant un peu la sémantique, et ils diront pas que c'est vous qui les aviez proposés, ou alors tout simplement ils ne les reprendront pas parce que ça ne les arrange pas. Moi, je pour te dire, hein, de vous faire un petit récap un peu précis, j'ai été reçu le 20 mars pour une réunion qui normalement préparait celle du conseil municipal d'installation. Maintenant, après, j'ai plus du tout été prévenu, tu vois, j'ai plus du tout été associé. Il y a cette question aussi là du respect de la démocratie et du vote acquis dans cette période difficile qui est celle du confinement. Donc, c'est moi qui ai dû faire la démarche de reprendre des nouvelles. J'ai été recontacté le 6 avril, je les ai revus. Et je dois quand même avouer que depuis, les choses s'améliorent un petit peu. Donc, je les ai revus une fois sur la commande de masques. Je les ai revus aujourd'hui sur le sujet de l'école. On pourra en parler si tu veux après. Et je risque de le revoir demain ou après-demain toujours sur ce sujet de l'école. Alors, tu vois qu'il y a des petites questions qui commencent à apparaître. Je te laisse la parole peut-être si tu veux commencer à y répondre. Ouais. Effectivement, on a reçu des questions. Je vais juste rebondir sur le. Là, tu parlais du CCAS, effectivement, des personnes âgées qui sont recontactées. Donc là, moi, quand j'ai rencontré Mme Ducret, donc elle m'a dit que les agents du CCAS avaient recontacté toutes les personnes, donc effectivement, de plus de 75 ans de mémoire, et en particulier celles qui sont concernées par les plans canicules. Voilà. Bon. Et elle me dit, ça représente plus de 2000 personnes. Donc moi, je suis très heureux d'apprendre ça. Je sais le dévouement des agents du CCAS. Et puis, bah, comme toi, et ben voilà, je me renseigne un petit peu. Et alors, et toi, on t'a appelé. Ah bah non, moi j'ai pas eu de coup de fil. Voilà. Et donc on se rend compte qu'il y a un certain nombre de personnes qui sont passées. Alors on va dire, allez, espérons-le entre les mailles du filet, si c'est seulement ça. Mais c'est vraiment ennuyeux ça, parce que du coup quelle confiance peut-on avoir dans la parole donnée de la mère de Wascal, et donc on est obligé de faire confiance, la situation impose de faire confiance, mais pour autant et ça revient avec ce que tu disais tout à l'heure, ça ne nous empêche pas de faire valoir notre exigence. Voilà. Nous exigeons, moi au nom du collectif Faisons Wascal Ensemble, et je l'espère au nom d'un grand nombre de Wascaliens et de Wascaliennes, nous exigeons que les choses soient clairement organisées, planifiées et présentées de manière transparente auprès de nos concitoyens. Bon, il y a une question, et effectivement une remarque intéressante sur la question du logement,
On voit que un petit peu partout en France, il y a une commune de la région parisienne, notamment, je crois que c'est à Bobigny, le maire de Bobigny, en tant que président du bailleur social de la commune, a décrété la suspension des loyers. Et effectivement, on sait que de nombreux élus municipaux siègent dans les conseils municipaux, pardon, dans les conseils d'administration des bailleurs sociaux. LMH avec Lamel, peut-être également au niveau du département du Nord, nous avons une adjointe au maire qui est conseiller départemental. Et donc du coup, je m'interroge, en tout cas la question c'est, Madame Ducret, Madame Kovout, n'aurait-elle pas la possibilité d'intercéder auprès des bailleurs sociaux pour décréter une suspension des loyers? Est-ce que toi, tu as des informations qui vont dans ce sens-là sur FACH? Ah oui, donc à chaque fois, il y a des représentants qui sont dans les conseils d'administration des bailleurs sociaux. Donc, amener l'idée, je pense qu'elles sont en capacité de le faire. Après, le décisionnel, là, pour le coup, je ne sais pas plus. Si ça joue, par exemple, sur un vote, ce n'est pas dit qu'elle faisait la majorité, j'imagine, je ne sais pas. Là, pour le coup, ça me semble faire partie de toutes ces choses qui doivent être décidées, tu vois, à un niveau supérieur, pour qu'ensuite les bailleurs sociaux puissent suivre et soient finalement obligés. Ben, on n'aime plus ce terme d'obligé, mais parfois, moi, je pense que l'État doit dire, enfin, on l'aime plus. Ça dépend pour qui, hein. Je veux dire, quand c'est pour taper sur les chômeurs ou autre, là, l'obligation, ça marche plutôt bien. Quand c'est pour les grands bailleurs, qu'ils soient sociaux ou non, ou alors pour les grands patrons ou pour l'ISF, pour ce genre de choses, là, bizarrement, la notion d'urgence et la notion d'obligation, elle disparaît totalement. Moi, je pense que là, il faudrait une décision ferme, une prise importante de position au niveau de l'exécutif national. Après, on n'est pas tombé, on sort pas du nid hein, tous les deux, hein. On sort pas de l'œuf, pardon, tous les deux. On sait ce qu'il en est, quoi. Hein. Il risque pas de faire ça. Et pourtant, c'est un sujet très important parce qu'on est sur un tiers à peu près du budget qui peut être consacré au loyer. Donc, dans cette période où les gens n'ont pas de quoi se nourrir, en effet, je pense que c'est quelque chose qu'il ne faut pas hésiter à réclamer. J'imagine que tu l'avais mis dans tes propositions. Peut-être réappuyer ça et ne pas hésiter comme tu le fais là maintenant, à aller voir Madame Ducret sur les réseaux sociaux et à demander est-ce que au moins vous l'avez demandé, quoi? Est-ce que ça vous semble. Donnez-nous, c'est ce que tu disais, donnez-nous des explications. Alors, on propose ça. Si vous nous dites non, alors justifiez-le tout le temps. Ne dites pas juste non, oh non, c'est folklorique, mais pourquoi, comment vous justifiez? Vous devez ça à vos habitants d'Ouascal, vous devez ça à vos concitoyens, concitoyennes, dites-nous pourquoi vous ne l'avez pas fait. Et l'État suivra après si c'est mis en place, tu vois, pour que les bailleurs puissent recouvrer ce dont ils ont besoin. Ouais, et en ça d'ailleurs l'intervention, je ne sais pas si tu l'as noté, l'intervention d'Edouard Philippe cet après-midi sur tout l'aspect crise sociale et en particulier en s'adressant aux gens hein, plutôt que aux entreprises, la réponse de cet après-midi, elle me paraît clairement insuffisante. Hein. Il n'y a aucune réponse sur la question effectivement du logement. Il n'y a aucune réponse. Sur l'urgence alimentaire. Et bon, alors, tu l'as dit, bien sûr qu'on n'est pas surpris, mais pour autant, la situation l'exige. Et voilà, il va falloir agir rapidement. Je me pose la question de peut-être initier, Patrick, je ne sais pas ce que tu en penses, on pourrait peut-être initier une initiative commune, là, pour le coup, entre toutes les villes de Lamel. Les candidats des différents collectifs dont tu parlais, et peut-être aussi au-delà, parce qu'à mon avis, on doit pouvoir rallier à cette cause du logement un certain nombre de gens qui auraient pu être nos concurrents dans les différentes élections municipales, et peut-être prendre une initiative commune
pour décréter la suspension des loyers. Moi, je pense notamment à LMH, qui est contrôlé par l'AMEL. Ça pourrait être quelque chose d'accessible, hein, non? Oh, de toute façon, lancer l'action, si ça peut rendre service aux gens, moi j'ai toujours, et je me suis lancé dans la vie politique, c'est pour rendre service aux gens. Hein. Donc, tout ce qui peut rendre service aux gens et leur donner un petit peu d'espoir, je pense qu'il faut le tenter. Je pense que la plupart des collectifs, décidés pour l'île, décidés pour l'homme, les ronds chinois aux commandes, la plupart seront d'accord avec ça, parce que c'est des thèmes qu'on a toujours portés. Voilà, c'est pas. C'est pas extravagant par rapport à ce qu'on porte comme valeur. Tu le disais tout à l'heure, hein, de solidarité et d'entraide. Et là, pour le coup, en plus, alors je vois ce qui est en même temps nous est donné comme commentaire. Quelqu'un disait que les bailleurs sociaux pensent à baisser les loyers et faire un rattrapage sur la période qui suivra. Bon, mais c'est le loyer, d'accord. Le rattrapage, je ne sais pas dans quelle mesure, tu vois, les gens ne vont pas s'en sortir tout de suite hein, de la crise. Hein, ils ne vont pas remettre leur compte tout de suite. Donc, cette idée de rattrapage, finalement, si c'est pour mettre un boulet au pied des gens, mais plus tard, en disant, vous voyez, on a géré la crise, les gens s'en sont mieux sortis, mais qu'après la crise, c'est toujours la crise pour eux, mais que ce sera caché, pour le coup, j'ai un doute. Mais bon, pour ton idée de lancer cette revendication au niveau de la au moins de la métropole, moi, évidemment, il faut le faire. Après, nous à FHTMI, on aura deux représentants métropolitains. Donc c'est aussi on arrivera peut-être à capter des informations, à voir ce qui est faisable, ce qui n'est pas faisable, au moins à amener le débat. Oui, ça peut jouer en plus. Très bien. Bon, donc les gens qui nous regardaient, hein, n'hésitez pas à poser des questions, des commentaires. On réagira là-dessus avec un grand plaisir. J'ai envie d'évoquer avec toi la question de l'école. Tu es professeur en lycée professionnel. Tu nous as dit tout à l'heure là que tu avais rencontré le maire sortant de Fâche sur cette question de l'école. Moi, il se trouve que je suis directeur d'une très grosse école à Roubaix, école primaire par intérim en l'occurrence. Et donc, j'ai effectivement assisté aussi à un certain nombre de réunions. Bon, on va. Voilà, je vais présenter les quelques éléments dont moi je dispose et puis je te donnerai la parole avec peut-être les spécificités de Fâche ou des informations supplémentaires. Bon. Au niveau de là, c'est pour. Je parle de ça, c'est pour rassurer. En tout cas, donner des informations aux parents et c'est eux ensuite qui auront à juger de ce qu'il en est. Le directeur académique, donc au niveau du département du Nord, c'est lui qui pilote les écoles primaires dans le département du Nord, évoque, et ça a été confirmé par le Premier ministre cet après-midi, deux mots, deux philosophies pour le déconfinement des écoles, la progressivité et la souplesse. Toutes les écoles sont actuellement en attente d'un protocole sanitaire national qui devrait définir les conditions sanitaires à respecter pour pouvoir accueillir les enfants dans les écoles. Ce protocole sanitaire devrait sortir, là, je l'espère, au plus vite, parce qu'on en a besoin pour procéder à l'organisation proprement dite. Si on se réfère aux documents sortis par le Conseil scientifique ce week-end, il y a bien sûr le respect des gestes barrières, mais en particulier le respect de la distanciation physique, hein, le fameux 1 mètre, 1 mètre entre chaque personne. Et il faut bien avoir conscience que cette distance, elle devrait être respectée évidemment au sein de la classe. Et en fonction des écoles, bah, la taille des classes n'est pas la même. Et donc, il n'est pas certain qu'on puisse accueillir beaucoup d'enfants dans chacune des classes. Monsieur Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, a rappelé le chiffre de 15 enfants maximum. Mais je suis désolé,
pour avoir déjà connu quelques écoles et donc quelques salles de classe, il y a des salles de classe qui ne pourront pas accueillir 15 enfants. Non, non, ce sera pour certaines classes peut-être 12. Et moi, j'ai dans mon école actuelle une salle de classe, si on respecte les 1 mètre, elle n'accueillera pas plus de 4 ou 5 enfants. Donc ça va poser des gros problèmes, des grosses difficultés d'organisation. Donc je disais, voilà, les annonces du Premier ministre, Monsieur Blanquer qui a parlé sur TF1 ce soir, on l'espère une communication plus officielle probablement demain dans la journée, et ce fameux protocole sanitaire national. Bon, le principe du volontariat a été rappelé, mais on ne sait pas de quel volontariat il s'agit. Volontariat des enfants, volontariat des parents, volontariat des mères, volontariat des enseignants. Bon, ben voilà, là on n'est pas beaucoup, pas beaucoup plus avancé. En tout cas, une chose est claire, ça c'est ce qu'on peut dire aux parents. C'est pas l'école qui va reprendre, hein. Clairement, ce ne sera pas l'école. Le programme scolaire ne pourra pas être bouclé parce que rien que le fonctionnement par demi-groupe, qui sera à mon avis plutôt des systèmes de tiers de groupe ou des quarts de groupe, le rattrapage des 2 mois qu'il y aura à faire, parce qu'il y a eu beaucoup, c'était surtout de l'entraînement et très peu de nouveaux apprentissages, les conditions physiques à l'intérieur de la classe, le fait qu'on pourra pas se déplacer dans la classe pour les enfants maternels qui ne pourront pas ou très très peu manipuler du matériel, tout ça fera que ce ne sera pas de l'école et que il sera très hasardeux de la part des enseignants de démarrer de nouveaux apprentissages, peut-être quelques-uns de manière ponctuelle, mais ce sera essentiellement une espèce d'accueil, un grand accueil d'élèves avec des temps dans la journée des temps d'activité scolaire. Parce qu'un autre exemple, quelque chose de très concret, pour les grosses écoles avec 8, 10, 12, 15, 20 classes, moi mon école fait 20 classes, concrètement, les parents ils peuvent pas se présenter tous en même temps à l'accueil le matin. Il y a la distanciation sociale à respecter. Donc ça veut dire qu'il y aura certainement un accueil échelonné et qu'il faudra imaginer que les CP sont accueillis à l'école de 8h20 à 8h30, les CE1 de 8h30 à 8h40, les CE2 de 8h40 à 8h50, et puis ça nous amène jusqu'à 9h30. Et puis pareil à l'inverse le midi, puis pareil à l'inverse le soir. Voilà, les 6 heures de classe théorique ne seront pas 6 heures dans la journée. De même pour la cantine. Ça, j'ai eu l'occasion d'en parler avec Madame Ducret, qui me disait que, bien sûr, elle va respecter la distanciation physique dans la restauration scolaire. Hein, la restauration scolaire, pardon, dépend non pas de l'éducation nationale, mais de la commune. Mais que pour respecter cette distanciation physique, elle risque d'être amenée à organiser d'autres lieux de réfectoire en dehors de l'école, peut-être dans des salles des fêtes ou salles de sport. Ou à élargir la plage de services. Actuellement, les enfants sont servis en général en 2 ou 3 services qui s'échelonnent entre 11h30 et 13h30. Bon, elle me disait, et bon, ça pour le coup, ce serait quelque chose d'assez raisonnable, c'est probablement de découper, non plus faire 3 services, mais en faire 6, qui commenceraient à 11h et qui finiraient à 14h ou 14h30. Et donc tout ça, on voit que tout ça fera que ce sera pas de l'école. Voilà pour l'essentiel peut-être que je peux dire sur l'école. Je vais te rendre la parole, Patrick. Est-ce que toi, tu as des informations peut-être, voilà, qu'est-ce qui s'envisage à Fâches-tu-Ménil et qui pourrait peut-être servir d'exemple ou en tout cas de donner à réfléchir pour la ville de Wascal? Ouais. Mais tu vois, ce que tu disais, c'est un détail, hein, sur les autres lieux pour aller manger qui seraient ailleurs que le réfectoire habituellement de la cantine. Mais on est toujours sur le même problème. Ta classe de 15 gamins, s'ils sont pas censés être proches de plus d'un mètre, bah va-t'en réussir à faire la distanciation sociale si tu dois les faire marcher sur le trottoir, traverser, machin.
C'est impossible, impossible. Alors, deux infos qui concernent Fachetuménil, mais du coup, pour vous, ce n'est pas exactement la même inspectrice, mais ça doit être à peu près les mêmes mécanismes. Je sais que demain après-midi, si mes souvenirs sont bons, l'inspectrice va faire une visio avec les maires de sa circonscription, je pense, dans une circonscription pour une inspectrice, mais bon, ouais, tu vois les villes qui sont sous qu'elle chapeaute. Donc demain, les maires vont avoir cette communication de l'inspectrice, et jeudi après-midi, j'ai été convié à, enfin, je vais sans doute être convié, j'espère, à aller rencontrer l'inspectrice avec M. Mazurier, le maire actuellement en place. Donc, ce qu'on savait ce matin, nous, on a fait une réunion ce matin sur ce sujet de l'école, c'est que la seule chose qui est claire, c'est que rien n'est clair. On s'est réunis pour faire des hypothèses, pour dire comme ça, quand on aura des précisions de la part de l'éducation nationale ou de l'État, on sera peut-être plus à même de réagir rapidement, parce que les délais, il faut se mettre ça aussi quand même en tête, c'est que si on est pour une reprise le 11, si on a des nouvelles que jeudi, on est le 30. Après, vous avez les jours fériés du 1er, du 8, enfin, ça, du 1er, du 8. Et donc, du coup, ça laisse très peu de temps aux mairies pour pouvoir se retourner, puisque les recommandations du gouvernement et de l'éducation nationale arrivent au compte-gouttes et tardivement. Ce que je peux te dire, c'est que nous, on a travaillé sur des hypothèses où les CP et les CM2 rentrent. Et rien que ça, en termes d'effectifs, tu le disais, c'est déjà très compliqué. C'est vraiment, vraiment très compliqué. Dans un self, tu n'as pas toujours une table où tu peux avoir cette distanciation d'un mètre. Donc, combien d'élèves tu vas pouvoir faire manger en même temps pour un service ? Il va falloir que chaque réfectoire, chaque école puisse transmettre cette information pour ensuite donner les capacités d'accueil. Parce que finalement, non, tout le monde ne pourra pas être accueilli. Il faut se sortir ça, malheureusement, de la tête. Le conseil scientifique, il n'était pas pour cette reprise des écoles. On est sur une hérésie sanitaire. La protection des enfants, la protection des personnels, la protection des gens qui vont devoir nettoyer plusieurs fois les salles de classe durant la journée. Ça va être très très compliqué à gérer, comme tu le disais, l'entrée des gamins, comment tu fais pour respecter ce 1 mètre entre chaque gamin, la récréation, comment tu fais pour les empêcher. Moi, j'ai un collègue qui est comme toi, qui est enseignant et qui est amené là actuellement à travailler en école, parce qu'elles sont toujours ouvertes pour accueillir les gamins des soignants. Il me dit, moi, j'ai un groupe de 5. Ben déjà, c'est hyper compliqué de faire la distanciation sociale et les gestes barrières, etc. À 5, alors t'imagines à 15, quand ça sera possible par rapport aux locaux, comme tu le disais. Non, là, vraiment, moi, j'étais très surpris. Hein. Je pensais qu'on ferait une rentrée en septembre au tout début. Mais là, ce qui va se passer, c'est qu'on va faire une rentrée progressive, ils vont tester. L'idée, à mon avis, c'est que pour septembre, ça soit prêt. Voilà, que le système ait été testé pour septembre. En attendant, on est en train de découvrir que peut-être le virus ne se transmet pas que par les gouttelettes, les fameuses gouttelettes de fugueux, mais par les voies aériennes, par l'aérien, donc qui est beaucoup plus fin, beaucoup plus encore plus petit. Donc, ça veut dire que ne serait-ce que respirer ou parler, même à 1 mètre, même à 2 mètres, ça peut provoquer la contamination. Moi, j'ai des gens qui sont docteurs et qui sont spécialistes de ça et qui ont travaillé à l'OMS, qui m'envoient des mails tous les jours pour me sensibiliser par rapport à ça. Donc, on n'en sait pas plus sur le virus, mais on va quand même renvoyer les gens, on va quand même déconfiner. Je, franchement, c'est une hérésie. Alors, sauf si l'idée, c'est de favoriser les biens, la production et pas les gens. Hein. Bizarrement, les lycées, ils vont reprendre beaucoup plus tard, les collèges aussi. Mais les gamins sont en capacité de s'autogérer. Donc, les parents peuvent retourner au boulot, tu vois. Mais par contre, bah oui, quand tu as des gamins qui ont jusque 9 ans, tu ne les laisses pas tout seul à la maison. Donc, là, il faut rouvrir les structures pour, soyons clairs, faire une sorte de garderie pour que les parents puissent retourner à l'école. Là, on est sur du non-sens total. Et pour les mairies, il n'y a aucun visuel. Alors, il y a aussi le sujet des crèches, hein, parce que les crèches, des structures qui sont encore plus petites,
On n'en parle pas encore beaucoup, mais il me semble que Edouard Philippe a dit qu'elle devait rouvrir le 11. Il y a énormément plein de petits détails. Au self, les bacs à couteau et à fourchette. Bon, alors du coup, on a quoi? On a un personnel qui est censé, donc un de plus, préparer, il faut qu'il ait les masques, il faut qu'il ait les gants, le plateau déjà fait avec la fourchette et le couteau. Tout ça se travaille, ça se réfléchit, ça se met en place. Je vois que quelqu'un pose la question sur les agents d'entretien, seront-ils assez nombreux? Bon, il y a beaucoup de bonne volonté de la part des personnels d'entretien, ça c'est clair et net. Donc, les mairies réussiront à s'arranger pour qu'il y ait le nombre et pour qu'il y ait des rotations. Ça, je pense. Mais pour autant, le flou. Alors, pour les parents, nous, hier, moi, j'ai un fils qui est en CE2. On a reçu un mail de la directrice en nous demandant si on comptait remettre notre enfant. Mais on ne peut pas lui répondre à une question comme ça. On ne sait pas. On ne connaît pas les précautions, les préconisations sanitaires. Donc, on attend les préconisations sanitaires avant de répondre. Mais ceux qui sont aux manettes actuellement attendent de savoir combien de personnes vont répondre pour voir quelles précautions sanitaires on met en place. Donc, vous voyez, c'est un cercle sans fin. Et là, on avait fait des hypothèses que pour grande section et CM2. En se disant... Ah oui, parce qu'il y avait aussi cette idée de mettre les gamins un jour sur deux à l'école. Donc, un jour, ils sont en classe. Donc, tu vois, si tu as besoin de séparer ta classe de CM2 en deux, on va dire 15-15. Le lundi, tu en as 15 qui vont à l'école avec le professeur. Et comme tu dis, ça ne sera pas pour acquérir de nouvelles connaissances et de nouveaux savoirs. Hein. Concrètement, l'année pédagogique, voilà, là, on peut l'oublier. Et le mardi, c'est 15 qui seront allés à l'école. Les mairies pourraient mettre en place des activités culturelles et sportives. Ce qui est aussi un autre budget. C'est-à-dire que si on met ça en place, bah les AESH, leur quota annualisé, ça va être ingérable hein, parce qu'il va exploser. Donc voilà, ça c'est une des hypothèses. Qui était envisagé, ou alors c'était une semaine sur deux. Une semaine, c'est 15, et la semaine d'après, c'est 15 autres. Ça veut dire que les parents pourraient s'organiser pour aller au travail une semaine et prévenir l'employeur que la semaine d'après, ils doivent garder leur gamin. Ou alors. Voilà. C'est juste ingérable. Franchement, moi, ça me met en colère, ça, parce que vraiment, là, le gouvernement fait un sale coup aux mairies et aux parents. Est clairement en train de jouer avec la santé des gens et de se défausser totalement de sa responsabilité. Et ça il faudra qu'ils rendent des comptes par rapport à ça. Là, pour le coup, ça me met vraiment particulièrement en colère, cette histoire de la reprise des écoles. Pour les lycées professionnels, bon, a priori, ce serait début juin. Donc, on n'en sait pas plus, mais de toute façon... globalement, peuvent gérer tout seul, hein, les lycéens. Et puis alors, comme ils ont fait des annonces en disant qu'il n'y aurait pas de notes de deuxième semestre, que ça serait avec les notes acquises ou le CCF, voilà, on a complètement perdu les gamins. Hein. Je ne sais pas ce qu'il va. Les gamins, les seuls qui étaient encore en train de faire les devoirs, ils se sont dit, bah, c'est bon, tu vois, c'est fait. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Ouais, bien sûr. Il y a une question sur est-ce que les maires devraient s'opposer à la réouverture. Je voulais juste te dire un petit truc, parce que j'avais prévu de le dire, donc je me permets. Il y a des maires qui ont dit qu'ils ne rouvriraient pas. Il y a aussi des maires qui ont dit, on nous force à rouvrir, alors on va rouvrir, mais on ne mettra pas en place la garderie, on ne mettra pas en place la cantine. Au début, moi, je me suis dit, ça peut être une super méthode, tu vois, pour montrer notre opposition à tout ça. Et en même temps, ça entre en conflit avec ce que je pense sur la réouverture de la restauration et de la cantine, avec ce qu'on disait tout à l'heure sur l'accès au repas à des gamins. Donc, il va falloir qu'on soit hyper précautionneux à ce niveau-là, c'est clair. Parce que si tu dis à des parents, de toute façon, il n'y aura pas de cantine et il n'y aura pas de garderie, ben, de toute façon, ça sera hyper compliqué à gérer par rapport à un employeur. Donc, les gens ne mettront pas forcément les enfants à l'école. Pardon, je te rends la parole. Non.
te la reprends du pas. gouvernement. Pardon? Je crois que c'est toujours moi à l'image, mais je t'entends. Ouais, bon, très bien. Non, je te disais que moi, ce qui me scandalise, tu en as parlé là, on en a déjà parlé tout à l'heure, c'est clairement l'attitude du gouvernement qui, depuis le début, on est rentré dans le confinement de manière quand même assez catastrophique, hein. Il faut se souvenir que même pas une semaine avant, le président disait non, non, il faut continuer la vie comme elle est, on peut aller au théâtre, etc. Donc l'entrée dans le confinement a été catastrophique. La gestion du confinement a été quand même laborieuse, hein. On va peser ses mots, elle a été laborieuse. Et là, le déconfinement, il est vraiment totalement hasardeux. Et il y a finalement ce qu'a annoncé Philippe, Édouard Philippe cet après-midi. Il y a quelques grandes lignes, mais sur les sujets concrets, et notamment un sujet majeur qui est la question de l'école, avec 12 millions d'élèves, 800 000 enseignants, qui concernent quasiment, alors peut-être pas 36 000 communes, parce que hélas, il n'y a plus au moins une école par commune, mais on va dire probablement au moins 25 000 communes. Et donc, il nous renvoie clairement la responsabilité aux exécutifs locaux, en particulier les maires, la responsabilité aux parents, la responsabilité enseignants. Et on est tous mis au pied du mur par le gouvernement et soumis à des injonctions paradoxales. Parce que moi-même, en tant que parent de jeunes enfants, en tant que engagé politique et prétendant à des responsabilités politiques, et par ailleurs, professeur des écoles et directeur par intérim, j'ai trois regards sur la situation et à chaque fois des injonctions contradictoires qui se posent. Le renvoyer la responsabilité aux parents de dire c'est vous qui choisissez, ouais, ben non, non, ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Il faut planifier, il faut organiser, il faut ordonner. En tout cas, moi, si j'étais maire, quand je serais maire, c'est ça que je ferais. J'organiserais les choses pour dire clairement aux parents comment ça se passerait et en leur disant que les conditions sanitaires seront garanties dans telle limite de capacité. Parce que là, encore une fois, le ministre Blanquer ce soir suggère que c'est des groupes de 15, mais éventuellement peut-être un jour sur deux ou une semaine sur deux. Mais moi je vous le dis, les écoles ne vont pas être en capacité de même accueillir 15 élèves un jour sur deux. Même ça, ce ne sera pas possible, parce qu'on l'a vu, il y a plein de questions qui se posent et qui seront déterminantes pour déterminer les capacités d'accueil. Parce que peut-être que la salle de classe, elle sera en capacité d'accueillir un certain nombre, mais il y aura un autre facteur limitant qui sera peut-être, bah oui, le personnel d'entretien. Et effectivement, clairement, totalement dévoué. Mais sauf qu'on sait déjà qu'en temps normal, le nombre de personnels présents dans les écoles est souvent, même malgré toute leur bonne volonté et leur dévouement à la tâche, ne suffisent pas pour un entretien complet. Moi, je sais notamment que le matériel, le nettoyage des jeux, du matériel pédagogique des classes de maternelle, normalement, en temps normal, il faudrait le nettoyer à chaque vacances, chaque vacances scolaires, donc toutes les 6 semaines, toutes les 7 semaines. Et ben, en fait, bien souvent, les équipes de personnel d'entretien ne sont pas suffisamment dotées et elles doivent le faire en général seulement l'été. Et donc là, on va leur demander de nettoyer le matériel pédagogique, mais on va aussi leur demander de nettoyer les portes plusieurs fois par jour, de venir nettoyer les tables. Et donc là, on va se... et donc même leur total dévouement, on voit que le personnel d'entretien va être un facteur limitant. La place disponible dans les réfectoires va être un autre facteur limitant. Et ça, le ministre Blanquer ne l'a pas dit. Et il renvoie ça, la responsabilité, soit aux personnes, soit aux communes, aux conseils municipaux, soit aux directeurs qui sont chargés de la salle besogne. Et du coup, je termine sur une interpellation là dans les commentaires sur la question de la responsabilité. Oui. Qu'en est-il de la responsabilité, en l'occurrence de la responsabilité civile et pénale, du maire ou des directeurs ou de l'inspecteur de l'éducation nationale sur cette réouverture? Voilà. Parce que
Forcément, à l'échelle d'un pays, même si toutes les précautions sont prises, parce que parce que voilà, chacun est aussi face à sa responsabilité professionnelle et fera en sorte que les choses soient faites le plus correctement possible. On le voit avec le dévouement des soignants. Mais à l'échelle d'un pays, 12 millions d'élèves, s'il y a un problème, qui va assumer la responsabilité? Tu l'as dit toi-même, le gouvernement est en train de se défausser. Voilà, clairement. Et ça, c'est pas acceptable. C'est vraiment pas, compte tenu de la situation, compte tenu de la gravité de la situation, c'est vraiment pas acceptable. Et tu as raison, ce sujet devrait te porter la question de la responsabilité. Enfin, il y aura des comptes à régler. Pas maintenant, on est bien d'accord, hein. Il ne s'agit pas de semer le. Voilà, pas de polémique, hein. Mais il y aura des comptes à régler. Et là-dedans, ouais, le rôle du maire. Mais lui, il est face à des injonctions aussi paradoxales de l'inquiétude des parents tout à fait légitime, l'inquiétude de son personnel, parce qu'il doit y avoir du personnel inquiet, et puis également aussi les parents qui sont déjà, pour quelques-uns d'entre eux, qui vont l'être de plus en plus, obligés de retourner travailler. Donc, bon, voilà, il y a beaucoup de problèmes qui se posent. On n'en a pas fini, le temps est compté, ça paraît très compliqué, on verra où ça nous mène. Je te laisse la parole, Patrick, peut-être, je vois qu'il est un petit peu tard. Écoute, moi, je te laisse la parole, vas-y. Merci Benoît. Oui, tu as raison, hein, 21h40, on va peut-être s'arrêter là pour ce coup-ci. Puis si jamais tu veux refaire ce genre de visio, sachant que moi, après, à partir du moment où on sera installé ou si je commence à avoir un petit peu plus d'informations, ça ne me dérange pas d'échanger avec toi et en même temps comme ça que les gens puissent être au courant. En général, il n'y a pas de secret. Donc, en tout cas, moi, je ne le vois pas comme ça. Donc, en effet. Je veux pas faire long, hein, mais en effet, tu l'as dit au tout début, hein, pour finir la boucle, hein, on est sur un virus qui s'abat sur un régime économique et politique particulier et qui est amplifié du fait de cet ultralibéralisme et cette globalisation. Enfin, les gars. Avait arrêté de faire des stocks stratégiques en se disant la Chine pourra répondre, en se disant pas que le prochain virus pourrait partir de Chine, alors que le précédent coronavirus venait déjà de Chine. Donc, en termes de responsabilité, comme tu disais, franchement, il y aurait quand même beaucoup, beaucoup de choses à redire. Et puis, le fameux monde d'après qu'ils nous promettent actuellement, hein, c'est jamais que recommencer le monde d'avant, mais en pire. Parce que vous allez donner vos RTT, parce qu'il va falloir refaire travailler, faire des efforts. Bon, moi, je pense que ça, on ne peut pas l'entendre. Et puis, en plus, il y a d'autres crises qui vont arriver. La crise écologique, elle est déjà commencée. Et puis, alors, il y avait même des études qui disaient que la pollution pouvait être quelque chose d'amplificateur du virus. Donc, si on veut se donner les moyens de lutter contre cette crise écologique, on pourrait se la donner maintenant, en sortant au moment du déconfinement, ça pourrait être une bonne idée. Bon, ça va être notre rôle, à nous, à ceux qui regardent, et puis à tous ceux qui ont cette conscience-là, de porter le fardeau et de dire, pas comme en 2008, quoi, après la crise des subprimes, où Sarkozy disait « maintenant c'est terminé, le libéralisme, le capitalisme débridé ou fou », là je ne sais plus ce qu'il disait. Et finalement, on a vu que les dividendes avaient réexplosé et ils en redonnaient là maintenant. Donc, non, il faut continuer d'en parler autour de soi en disant aux gens, c'est pas normal, les gens comprennent bien tout ça, il n'y a pas de problème. Les gens ne sont pas imbéciles, bien au contraire. On est dans un peuple cultivé et qui comprend quand on parle de dividendes, quand on parle de tout ça. Donc, pas hésiter à toujours créer du débat. Et pas lâcher parce qu'on voudrait nous mettre la tête sous l'eau parce qu'il y a un virus. Voilà, je te laisse la parole et puis je vous salue. Ouais, merci Patrick, merci effectivement pour cette conclusion qui appelle du coup d'autres questions
et qui donne envie d'en parler un petit peu plus. On en a bien sûr la question écologique on a assez peu évoquée ce soir. Et voilà, je pense que nous aurons l'occasion de faire un prochain live vidéo puisque tu me le proposes. Bah oui, on fera un prochain live vidéo sur ces questions écologiques, sur ces questions de vie quotidienne, de vie commune qui devra reprendre, pardon. Et bien sûr, la question du monde d'après qu'il va falloir reconstruire sur de toute autre base. Peut-être deux petites dernières questions. Il y a des commentaires qui évoquent la question du droit de retrait, en particulier pour les enseignants. Alors, il y a eu une réponse. Il y a des collègues qui refuseraient de reprendre le service à Lille. Bon, moi je pense que les représentants du personnel et puis les syndicats enseignants en particulier vont pouvoir nous éclaircir sur cette situation, sur cette possibilité de droit de retrait très prochainement. Moi, les infos dont je dispose, c'est que ça va être compliqué de pouvoir faire valoir ce droit de retrait. Ouais, ça va être compliqué. Éventuellement, je note la question et puis j'y répondrai la prochaine fois qu'on organisera cette vidéo. Et une autre question sur, ben oui, quelle solution proposer pour les parents qui travaillent concrètement? Mais oui, ben, en fait, il est là le problème. Patrick, je crois, l'a évoqué. C'est que, en fait, c'est pas l'école qu'on nous demande de remettre en place. C'est un système de garderie pour les gens qui travaillent. Alors, bien sûr qu'il va falloir reprendre l'activité économique, mais bien sûr qu'il y a un service d'accueil pour les soignants, ça c'est tout à fait normal, tout à fait légitime, et les collègues enseignants se sont dévoués sur cette tâche. Par contre, un système de garderie pour permettre à Air France de refaire circuler des avions entre Paris et Brest, alors qu'il y a des trains qui existent pour le faire. Et ben voilà, là c'est une des questions qui se pose, et est-ce que c'est vraiment légitime? Est-ce que pour les parents qui peuvent travailler, qui peuvent télétravailler actuellement, il faudrait obliger, Patrick a évoqué la question de l'obligation, bah, obliger les employeurs à maintenir ce télétravail tout le temps qu'au moins on est en période d'urgence sanitaire, hein, qui pourrait être prolongée jusqu'au 23 juillet. Ça, c'est des mécanismes qui seraient tout à fait entendables et du coup respectés. Après, se pose la question d'autres secteurs d'activité qui ne peuvent pas télétravailler. Et là, en effet, j'entends qu'il faille proposer un système de garde. Mais donc dans ces cas-là, ça doit être un système de garde ponctuel avec des priorités, pas une ouverture complète. À tout le monde, mais qui en fait ne sera pas pour tout le monde, puisque c'est sur la base du volontariat, etc. Alors, dernière question. Ouais, un soutien particulier local aux soignants de ville, les infirmières et médecins libéraux qui sont en première ligne, effectivement, et qui, eux, pour le coup, sont sans grands moyens, très peu de masques. Et vu le manque de médecins, même effectivement dans métropole parmi nous, oui, il va falloir réfléchir à des moyens concrets à mettre en œuvre. Je sais que ponctuellement des masques leur ont été distribués, mais on a tous bien compris que c'était une denrée rare. Et donc, voilà, c'est compliqué à mettre en œuvre. En tant que future mère, y a la question des masques, il y a la question des salles d'attente qu'il faut organiser, qu'il faut aider à organiser. Bon, là clairement, c'est un travail d'équipe qui doit être mené. C'est pas de la réponse ponctuelle à un médecin qui solliciterait de l'aide, puis à un autre, puis à un autre. Non. Il y a du travail il y a du travail d'équipe qui doit se mettre en place. Et un travail de coordination, non, on y revient, de l'organisation, de la planification, de la coordination, quoi. Bon, on va s'arrêter là. Merci, un grand merci à toutes et tous. D'abord, merci évidemment à Patrick, qui nous a fait l'honneur de sa présence.
pour quand même un échange, moi j'ai trouvé assez enrichissant, intéressant. Et donc j'espère qu'on va pouvoir reproduire ça très très bientôt. Merci donc à Valentin qui s'est chargé de la régie technique. Merci à vous toutes et tous qui nous avez regardé. J'espère voilà, j'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à, si vous regardez cette vidéo en replay, à mettre des commentaires et à poser de nouvelles questions dans les commentaires. Ça servira à nourrir notre prochaine discussion avec Patrick. Et donc voilà, d'ici la prochaine fois, je vous souhaite une bonne soirée à toutes et tous. Je vous souhaite de bien vous porter, vous, vos familles. Et puis je vous souhaite bon courage pour vos activités, vos diverses activités. Bonsoir Patrick. Merci à toi, Benoît. Merci à Et puis toi. à Merci à bientôt toi tout le pour tout. monde. Bonne soirée. Au revoir.